On est là parce que tout le monde a voulu ce mouvement des bonnets rouges. On est tous ensemble, on est tous solidaires et on continuera à les soutenir. Nous, on a l'impression qu'ils sont aujourd'hui surtout accusés d'avoir osé désobéir à l'État, qu'ils veulent faire un exemple, qu'ils essayent de nous faire peur. Comme ça a pu être le cas par exemple avec Joe Baron, l'agriculteur qui a été accusé d'avoir brûlé un portique et à qui on réclame une somme faramineuse. Je me rends compte également, comme tout le monde ici présent, que l'écotaxe est désormais enterrée. Donc je pense que l'apaisement est de rigueur et aujourd'hui, le mouvement, pas forcément ne s'essouffle pas, mais ça pèse, ça pèse.